Rebonjour tout le monde. Donc, comme prévu, je vois avec vous pour refaire donc l'album accordéon que j'avais fait pour mon papa. Donc voilà. Donc on va démarrer pour le tuto. Alors moi j'ai pris des feuilles de cardstock A4 pour faire ce petit album. Donc j'ai découpé. Si je retrouve tout, j'ai vu que Yannick a mis son nez dans mes affaires. Et il me remplit. Ah voilà, ça y est, je retrouve tout. Voilà, 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 voilà. Donc il faut couper deux morceaux, deux carrés, pardon, de 15 par 15. Je vous noterai de toute façon toutes les mesures en bas, pas dans la formation, mais en bas de la vidéo. Donc deux carrés de 15 par 15 et un carré de 20, un rectangle, pardon, de 20 par 15. Voilà. Donc ça va servir, ça ce sont les deux couvertures qu'on met sur le côté. Donc ce rectangle-là va servir pour l'accordéon. Pour l'accordéon, hein, voilà, donc 20 par 15. Donc c'est celui-là, qui est au milieu des deux carrés. Voilà, donc je vais mettre les deux carrés sur le côté. Nous allons... on va dire faire un pli tous les 2 cm, c'est-à-dire que vous commencez à 2 cm, votre premier pli. Je préfère le commencer de l'autre côté. Voilà, donc un premier pli. Donc vous faites un pli tous les 2 cm. Donc là, après 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18 et le dernier qui reste 2 cm. Donc ensuite, le massicot, on n'en a plus besoin. Donc je prends mon pliloir et je fais donc mes plis en accordéon. Voilà, en avant, en arrière. Voilà, hein, puisque c'est un album accordéon, ne l'oublions pas. Voilà, y arriver. Et le dernier, hop, voilà. Donc simplement, ça fait comme un éventail. Je pense que tout le monde sait faire un petit éventail. L'été, quand on a trop chaud, et ben, hop, on fait un éventail. Voilà. Donc vous avez deux plis de 2 cm qui vont être collés à vos deux carrés de 15 sur 15. Et les deux plis, donc qu'importe, hein, c'est du 15-15, donc ils seront collés comme ça. Donc vous avez 4 montagnes. Si je reprends l'album ici, nous avions, pardon. Donc 1, 2, 3. Là j'ai 3. Comment que ça se fait? Les pris dans le mauvais sens. Ça commence bien. Voilà. Comme ça et comme ça. Donc vous avez 3 montagnes, excusez-moi. Et c'est 4 montagnes à l'intérieur, mais 3 montagnes. 1. Voilà. Alors attendez. Je vais y arriver. 1, 2, 3, voilà, 3 montagnes. Donc à l'extérieur de l'album, 1, 2, 3. Donc là, comme c'est l'intérieur qu'on va coller, on les verra à l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. Donc nous allons coller le premier rabat qui est ici sur un carré de 15-15. Comme d'habitude, moi, j'étale toujours ma colle blanche, ça ne va pas changer. Pour le mettre bien au bord. Ça se verra plus par la suite.
Est-ce que c'est bien collé bord à bord? Un peu dessus, impeccable. Voilà. Et l'autre carré 15-15 de l'autre côté. Donc on met de la colle sur cette bande ici. Donc vous, certainement vous entendez Jar Jar, hein, parce que là c'est son heure, hein, pour dormir. Donc pourtant il est loin, hein, je peux vous le dire, il est loin. Et on colle notre carré 15-15. Pour une fois, il n'est pas à côté de sa mère. Voilà. Et voilà. Voici déjà votre album. On refait les petits plis. Hop, 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 hop. Et le dernier pour bien montrer que ce petit album, voilà. Normalement, c'est un album pour débutants. Moi, j'ai débuté avec ce genre d'album. Donc, j'ai fait dans du papier que j'ai trouvé à Action, qui allait très bien avec cette couleur de cardstock. Ce papier-là. Donc, je vais en mettre debout à l'intérieur pour cacher mes raccords par rapport à l'accordéon. Deux morceaux à l'intérieur. Donc, ça, je vais les coller de suite avec vous. De toute façon, je vais tout faire avec vous, hein, pour vous montrer que c'est très simple et on peut en faire dans toutes les coloris. Alors, je coche ce papier qui me trouve très beau. Je le trouve très beau, parce que je me trouve très beau. Enfin, je me trouve très belle, j'aurais dit. Mais je le trouve très beau, ce papier, et de circonstance avec le printemps qui est arrivé. Enfin, est arrivé par rapport aux dates. Hein. Dehors, je ne sais pas trop. Hein. Alors, est-ce qu'il dépasse de l'autre côté? Non, c'est très bien. Alors, j'appuie. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Voilà, donc, le premier côté. Nous allons faire de même avec l'autre côté. J'ai bien mes trois accords. Je vérifie si j'ai bien mes trois accordeurs derrière. C'est bien ça. Alors, voilà. Quand vous avez des fois des papiers qui ne sont pas droits, après, parce que même si vous coupez avec un messico, des fois, c'est pas droit. Hein. Je peux vous le dire. Donc, il faut réajuster. Là, moi, c'est impeccable. Ça vient bien encore au-dessus du pli. Hop, je rajuste bien avec ma colle. Vous voyez, là, il va un petit peu dépasser. C'est pas grave. On va un petit peu couper. Tout de suite, parce qu'après, je vais oublier. Voilà, donc j'ai fait l'intérieur pour pas qu'on revoie son celui de mon papa, on voyait les raccords. Et je trouvais que on pouvait faire mieux à notre époque, hein, donc de ne pas voir les raccords intérieurs. Sur l'extérieur, donc les deux couvertures d'extérieur, j'ai voulu mettre un carré qui fait donc 14 sur 14. Pareil, pour montrer le coloris du cardstock, parce que je trouvais que c'était un beau rose. Mais pour laisser dévoiler cette belle couleur de papier, mais tout en ne laissant pas maintenant comme ça, comme du basil, on peut l'améliorer. Voilà. Donc, 14 par 14, hein, je vous redis. C'est un album pas très compliqué, hein, on va dire. De l'autre côté, je fais pareil. Et non, j'ai oublié de faire quelque chose, mais c'est pas grave. Je voulais mettre du ruban. Ben voilà. Ça, c'est Christelle. Elle oublie toujours quelque chose. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. Voilà, voilà, voilà. Donc,
de l'autre côté. Oh, mon col qui tombe. De l'autre côté, je mets mon autre carré de 14, aussi. Je remettrai bien sûr les mesures, ne vous inquiétez pas, en dessous. Enfin, mon mari, hein, surtout, va mettre les mesures pour que vous n'oubliez pas. Voilà. Donc, je n'oublie pas de replier. Si vous avez tantinement votre accordéon qui est fait, n'hésitez pas à mettre deux pinces ici. Hein. Pas trop longtemps, je ne suis pas pour. Ou mettre sous une masse. Quand vous mettez sous une masse, tout s'aplatit bien et vous avez votre album. Donc voilà, on a la base pardon, de l'album qui est fait. Donc 15-15 pour les carrés et les petits là, 14x14. Hein, on est bien d'accord. Donc, on va mettre sur le côté là, pas trop loin. Donc moi, je me suis fait un gabarit. Donc, pour les tags, donc un tag mesure 14,5x7. Hein, c'est ce tag-là. Donc, moi, j'ai fait donc mes tags. J'ai préparé mes tags parce que je pense que tout le monde sait faire des tags. Les mesures vont être mises aussi en dessous. Donc, moi, j'ai fait un gabarit quadrillé. Comme ça, je suis sûre de pas trop m'emmêler les pinceaux, comme on dit. Donc, alors, que ça soit en haut ou en bas, c'est vous qui choisissez. Donc, ils vont être collés ainsi. Hein, donc, sur le premier rabat, votre première montagne, donc ils seront pliés, donc la partie visible, donc la partie, on va dire, extérieure, et l'autre tag sera plié dans la partie intérieure. Voilà. Donc moi, je me suis fait 8 tags. Donc ces 8 tags, vont être recouverts, parce que je trouve que ça fait plus joli que laisser, comme j'avais fait pour mon papa, donc les tags avec toujours du papier du même bloc action, je trouvais très joli, avec toutes ces fleurs et roses, de cette couleur rouge rosée, et que ça faisait très joli. Mais je recouvre qu'une partie, parce que l'autre partie, vous pouvez l'agrémenter de photos ou de choses que vous souhaitez. Donc je vais coller avec vous tous ces tags. Je ne vous ai pas donné parce que j'ai un gabarit pour ce tag-là, donc 14,5x7, et un gabarit pour le papier qui va recouvrir les tags qui fait 13,5x6. Voilà, donc deux gabarits. Donc je l'ai déjà dessiné et coupé, mais je dis je, mais c'est Yannick qui a découpé et dessiné les tags. Comme toujours, on fait toujours un projet 50-50, comme on dit. Voilà, un tag, comme ça il sera recouvert. Hop. Voilà, donc j'ai recouvert mes 8 tags avec
les autres petits tags que j'ai fait dans du papier fantasy, qui permet d'être un peu plus coloré que de laisser deux couleurs comme ça. Donc, vous voyez bien l'intérieur. Donc, j'ai quatre tags en haut, comme je vous disais, quatre tags en bas. Voilà. Donc, moi, je vais les coller, si on reprend notre structure, je vais en coller, je pense, un comme ça. Vous voyez, ici. Voilà. Donc, il va se retourner, on est bien d'accord. Donc, le tag va se retourner comme ça. Donc, là, derrière, il faudra bien sûr mettre quelque chose. Et donc, l'autre tag, je vais le coller comme ça. Pour qu'on voit chaque fois, quand vous les tournez, hop. Donc, vous les collez au bord de votre pli. Voilà. Donc, on va les coller. Pour vous montrer, ça sera mieux. Je préfère faire mon pli pour voir où je suis. Vous pouvez rajouter ce que j'avais fait sur l'album de mon papa, hein, des œillets, et mettre... directement des rubans hein, si vous voulez. Voilà, donc celui-là vous le collez comme ça et l'autre derrière celui-là vous le collez comme ceci. Du pli. Hop. On le retourne pour pas que ça colle. Donc comme ça, vous avez déjà deux côtés. Et vous faites de même sur chaque montagne. Voilà, donc j'ai collé mes 8 tags à l'intérieur. Donc vous avez vu d'un côté comme d'un autre. J'appuie bien, j'ai enlevé tout l'excédent de colle pour pas que ça colle entre eux ni... Et normalement, ça doit fonctionner. Voilà, donc ça doit fonctionner ainsi. Voilà, donc je voulais rajouter, je vous avais préparé du ruban, mais bon.
je devais le mettre entre le cardstock et le papier intérieur, celui-là, si j'aurais voulu mettre du ruban. Voilà, et malheureusement, je ferai autrement. Voilà. Et ben, vous voyez, c'était un petit tuto pas très compliqué, mais au moins, voilà, vous avez votre album avec accordéon. J'espère que ça vous aura plu. De l'autre côté, hein, même s'il y a des taches, vous pouvez l'agrémenter d'autres choses. Voilà. Et ben voilà. Donc, comme je vous ai dit, l'autre côté, donc vous mettez ce que vous souhaitez. Là, vous pouvez perforer, mettre un œillet, un ruban, comme j'avais fait pour mon papa. Vous laissez tel quel, vous faites comme bon vous semble. Moi, je voulais que ça soit un peu plus coloré, que vous présentez comme ça un simple tuto avec sans papier qui donne un peu plus de gaieté. Voilà, ben, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir.